Emmène-moi dans ce trou, Hara. J'ai cru que t'avais changé d'avis. Allons-y. Jackie, Jackie, attends. Y a un problème? L'enveloppe. Où est-ce que tu l'as trouvée déjà? Sur le corps d'un type mort payé pour me buter. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Ça peut pas être. Sinon, ça sent mauvais. Il faut que je fasse des recherches. Bonne chance pour ton massacre. Les gars et moi, on va l'emmener au zoo en attendant. Les tarés aiment le zoo. En route, Vinny. C'est bien, Jackie. On pourrait aller pincer des nichons et voir ce qui se passe. Je me souviens une fois, c'était en été, on crevait de chaud. Jenny et moi, on était assis à manger une glace pour nous rafraîchir. Et voilà qu'un gamin se pointe, un petit morveux, con comme un balai. Il me pousse et il pose son cul entre nous deux. Et Jenny, elle le regarde et lui balance sa glace sur son futal. Et là, il la pousse. Alors j'ai fait ce que je devais faire. Je lui ai cassé la gueule. Bouffer avec une paille pendant un mois, ça lui apprendrait à respecter les dames. Jenny, elle a pas voulu me parler pendant une semaine. Je crois pas, mon gars. Je crois que tu t'en souviendrais. Je dois te fouiller, mon gars. Ouais, c'est ça. Les bras bien en l'air. Ici, on veut pas d'emmerde. C'est tranquille. T'as un flingue sur toi, champion? Qui, moi? Pour gâcher la fête? Ça va, il est clean. Bon, tu peux entrer. Passe une bonne soirée. C'est par cette porte, mon gars. De réaliser tous tes fantasmes. Allez, Joey, il faut un fixe. Non, ce qu'il faut, c'est que tu bouges le cul pour gagner ton fric. Pas de clients. Salut, bébé. Tu veux prendre du bon temps? Tu dois être Vénus. Je suis Jackie, l'ami de Vinny. Tu sais, tous les amis de Vinny sont mes amis. Tu veux pas qu'on monte dans ma chambre? Je pourrais t'arranger un truc spécial. Suis-moi, beau gosse. Plus vite. Oui. Mais on a peu de temps. Le flingue de Vinny est dans ma chambre. Si les nouveaux le trouvent, ils me butent. C'est pas du genre à déconner, Jackie. Ils sont complètement tarés, ces connards. Jamais vu des types aussi tordus. Promets-moi que si ça se passe mal, tu me balanceras pas. Il faut que tu montes au deuxième en vitesse. Hé, hey, tu m'écoutes ou quoi? Oui, j'ai compris. Viens, c'est par ici. Écoute, je dis juste qu'on devrait aller voir la direction et dire ce qui va pas. Est-ce que t'as vu ce nouveau gars? Le mec bossu. Tu vas demander une augmentation à ce monstre? Je me disais que toi tu pourrais y aller. T'es meilleur que moi pour ces trucs.
Les deux étages du haut sont bouclés. On croyait qu'il tournait des pornos là-haut, mais Chantelle est montée pour voir le type bossu au deuxième, et on l'a pas revu depuis un mois. Tiens, de la part de Vinny. Chouette. Maintenant, va trouver ces ordures, et fais-en leur baver de ma part. Flingue Quasimodo en pleine tête, tu nous débarrasseras de ce salopard. T'as surtout besoin de faire gaffe. Mais j'avais dit pas de blague. La chair est ta faiblesse. Je supporte pas cette ville. Atteindre ce conduit. Bien, je vais avoir besoin de toi. Ferme les yeux pour l'instant, hein. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Hé, sympa comme truc, hein. Je t'explique, là. Là, tu vois par mes yeux, tu vois? Alors, tu aimes la vue? Non, on continue. Le siphon le captera. Quand nous aurons tout. Qu'est-ce qu'il aura de plus? Ouvre la porte. Je vais lui demander. L'essence d'onde provient de la chair. L'essence d'onde nous donne le pouvoir. Ouais, je suis sûr que c'est pas. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche ici. Zard. Petite minute. Rapproche-toi de lui. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Avec plaisir. C'est prêt, là? C'est pas la souffrance qui fait mal, c'est le silence. Je n'entends rien. Mieux.
Viens, on va retrouver ceux qui ont voulu me buter. Préparez le siphon. Il revient à lui.
Mais qu'est-ce que vous faites ? Il se réveille. Bien. Qu'il reste concentré. J'aime le toucher. Il est collant. Reprends ta tâche, mon frère. Une fois le transfert terminé, nous aurons ce que nous voulons. Je tiens à préciser ceci. J'aurais vraiment préféré qu'il y ait un autre moyen, Jackie. Mais nous avons tous des choix à faire et c'est ton tour. C'est toi l'enfoiré qui a voulu nous buter au restaurant, hein ? Contente-toi d'écouter et ferme-la. Tu détiens quelque chose qui a été perdu il y a longtemps. Une chose qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu as le choix de te racheter. Ce qui t'arrivera n'a pas d'importance. Une seule chose m'intéresse. Je veux le Darkness ! Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Mais le fait est que tu es imprudent. Beaucoup trop de criminels dans cette ville croient que tu as un démon qui vit en toi. Le restaurant était un test pour savoir si tu étais l'hôte du Darkness. Maintenant que nous le savons, nous allons le reprendre. Je sens que tu t'agites là-dedans. Serais-tu un peu nerveux ? Tu es trop idiot pour donner au Darkness la crainte et le respect qu'il mérite, Jackie. Il préfère la compagnie d'un crétin qu'il peut contrôler et déteste l'idée d'un homme intelligent pouvant le contrôler. Je n'ai qu'une seule interrogation. Me donneras-tu le Darkness de ton plein gré ? Et si tu venais le prendre toi-même, puisque t'es un putain de génie ? Si tu lisais autre chose que des bandes dessinées et des menus, tu saurais qu'il y a des règles. L'hôte doit choisir d'abandonner le Darkness. Je crains de devoir t'aider à faire ce choix. Monsieur Piviche, si vous voulez bien. Regarde, beau gosse. C'est le film de ta propre mort. Le Darkness t'a montré le meurtre de Jenny. Ton premier acte important en tant qu'hôte fut un acte de soumission. Admets-le, Jackie. Tu ne contrôles pas le Darkness, jamais tu ne pourras. Il vaut mieux le rendre à ceux qui savent le faire. Le flux d'essence sombre qui coule dans le siphon me dit que tu penses déjà à abandonner. Voyons si je peux donner un petit coup de pouce à ton libre arbitre. Monsieur Bragg. Alors, c'était ta copine, mon Jackie. Les putes avec des piercings, c'est les plus chaudes, pas vrai ? Bah alors quoi ? Fini les turlutes parce qu'elle avait plus de tête ! Jackie ! Jackie ! Il y en a partout dans le coin ! Leur c'est de rien, Jackie ! Ils sont pas encore partout ! Ta gueule ! Tu es attaqué dans toute la ville. Nous avons les moyens et l'intention de mettre ton organisation à genoux, et dans quelques minutes, nous serons chez toi. Alors réfléchis bien, Jackie. Ce n'est plus seulement de toi qu'il s'agit. Fais ton choix, gauche ou droite. Jackie, non ! Tu peux pas me faire ça ! Espèce d'enfoiré ! Celui-là prend l'eau. T'as fait ce qu'il fallait, Jackie. Tu leur as montré qu'on s'attaque pas à la famille. Tu vas la fermer ta putain de gueule, enfoiré de cadavre. Tu as fait un mauvais choix en laissant le génie sortir de la lampe, Jackie. Pour le Darkness, tu n'es qu'une poupée de chair et de cartilage. Une dernière fois, acceptes-tu de me donner le Darkness de ton plein gré ? Je t'emmerde. Ce sera donc contre ton gré ! Tu es trop stupide. J'avais seulement l'intention de t'aider, mais si tu es trop borné, je vais négocier dans un langage que même toi tu peux comprendre. Monsieur Bragg, tuez tout le monde dans la maison. Trouvez la vieille dame et arrachez-lui les deux bras. Si je lui arrachais ses vieux tétons fripés, qu'est-ce t'en penses, hein, mon Jackie ? Jenny est morte parce que tu ne sais pas contrôler le Darkness. Et maintenant, tu vas perdre tout ce que tu aimes, parce que tu n'as même pas le bon sens d'accepter tes limites. Massacrez-le, défigurez-le, appliquez-vous. Jackie, tu dois résister. Ah !
Jackie, protège le Darkness. Jarès, c'est terminé. Ne les laisse pas me prendre. Ta gueule, j'en ai marre d'être ton pantin. Tu feras ce que j'ordonne. Donne-moi une bonne raison. Son âme est à moi. Tu feras ce que j'ordonne. Jenny. Jenny est morte, abruti. Écoute-moi. Donne-moi le Darkness. Sinon, ta chère tante Sarah va crever. Je peux pas. Ne me laisse pas le choix, je vais utiliser le siphon pour te l'arracher, monsieur Pivis. Les rituels de liaison sont presque prêts. Ça ne sera pas long. Bien, continuez à le travailler. Je veux l'affaiblir au maximum avant le début du rituel. Résiste. Le forceur s'est libéré. C'est long. La lumière. Ibis, le siphon. Sortez et fermez cette putain de porte. J'ai voulu te laisser une chance, Jackie. Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé le choix. C'est toi qui l'as voulu. Et tu as condamné ta famille. Je voulais seulement t'aider. Tu ne mourras pas, Jackie. Le Darkness ne le veut pas. Mais quand tu sortiras d'ici, Tante Sarah sera étripée et désossée. Et tu n'y auras rien gagné. Pense à quel point tu es impuissant, car la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. Brûlez tout le bâtiment! Le siphon pour Jenny.
Non! Nom de Dieu, Jackie! On croyait que t'étais mort! Je sais! Je dois! Ils ont pris le manoir! Ils vont tuer tout le monde! Merde! On se retrouve plus loin! Je vais me débrouiller pour descendre! Ah. Vous répétez des trucs, au hasard! Prends le siphon! Avec lui, nous serons complets! Ta gueule! Elle pleure, Jackie! Jimmy saigne, et c'est ta faute! Il y avait un prêtre qui venait à l'orphelinat, le père Alonso. Ouais, je sais ce que vous pensez, mais c'est pas ce que vous croyez. Enfin bref, il devait avoir 1000 ans ou plus ce mec, le genre prêcheur de l'apocalypse. Il nous disait que l'enfer, c'était pas une histoire inventée pour nous faire filer droit. C'était pas une connerie. C'était un trou puant, là où finissaient les salopards, les putes, les dealers et les junkies. Et que si on faisait pas attention, c'était là-bas qu'on finirait. Putain, si c'était aussi simple.
cacher. Tu m'entends? Putain, je suis content de te voir. Ces types ont déboulé sans prévenir, comme des cafards. Ils sont complètement tarés. Parce que toi, non? Je suis toujours vivant, non? Et ce sera pas le cas de ces fils de pute quand j'en aurai fini avec eux. Tu ferais mieux de monter, boss. Je vais te couvrir d'ici. Je peux encore tenir le coup. L'ascenseur est en train de descendre. Personne doit sortir d'ici, Jackie. Jackie, c'est moi, Vinny, tu reprends? Putain de merde, boss. C'est le délire total à l'étage. Ta tante Sarah s'est planquée dans ta pièce de sûreté. Faut qu'on monte, vite! Vous avez qu'à y aller, vous. Moi, je vais monter la garde ici. Hé, hey, Jackie! C'est la meilleure journée de la semaine! Merci, t'as pu revenir. On est dans une sacrée merde, mec. Johnny, dis-moi, je veux savoir qui veut ma peau. T'as vu le sceau sur l'enveloppe de Swifty? C'est celui de la confrérie. La quoi? C'était les premiers gardiens du Darkness. La confrérie, c'est le saint des saints de toutes les sociétés secrètes. Ils sont sous les ordres d'un certain Victor Valente, un grand prêtre, le roi, quoi. C'est plutôt un méchant, tu comprends? Ouais, je l'ai déjà rencontré. Il s'en est pris à moi avec un engin qui aspirait le Darkness hors de moi. Un seul appareil peut faire ça. Le siphon d'Archimède. Oh merde, je croyais qu'il était perdu à jamais. En fait, j'aurais préféré qu'il soit perdu. C'est quoi ce truc? C'est l'appareil utilisé par la confrérie pour piéger le Darkness. Il a été conçu il y a des millénaires grâce à la magie noire. Il peut aspirer l'essence d'ombre, soit en te l'arrachant, soit en prenant celle qui est déjà dans le corps d'un autre. Le siphon est puissant, Jackie. Et dangereux. S'ils l'ont trouvé, c'est mauvais. Très mauvais. Si la confrérie met la main sur le Darkness... va savoir, mais je suis sûr que c'est pas bon. D'accord, d'accord, je vois le tableau. Écoute, bouge pas. Je vais leur régler leur compte à ces enfoirés. Putain.
Putain de merde, je suis content de te voir. On les a pas vus arriver. Ils sont entrés dans la cuisine. Boss, mais d'où ils sortent, ces enfoirés? J'ai jamais vu ce genre de type dans le coin. Jackie, faut que tu montes sauver ta tante Sarah. Hé, fais bien gaffe à toi. Toi aussi, Vinny. Sois prudent, d'accord? Allez. Allez, on y va. Massacre-les! Oh, il est juste là! Sarah est là-haut, dans ta chambre, dans ta pièce de sûreté. Ils sont en train d'enfoncer la porte.
Il faut qu'on y aille tout de suite. Réveille-toi. Allez, Jackie, debout, tout va bien. Voilà, c'est ça. C'est fini maintenant. T'es tombé du lit. T'as passé une sale nuit, Jackie. T'as pas pris tes médicaments, hein ?